C'est clair, c'est un match avec un gros enjeu. On a l'occasion de les mettre derrière nous définitivement. Donc tout comme eux, ils ont la chance de pouvoir vraiment passer devant nous. Donc il nous reste que deux matchs, il n'y a pas vraiment de calcul à faire, il faut gagner. Gagner tout simplement. Limoges, c'est une équipe avec une bonne qualité de tir. C'est peut-être les deuxièmes du championnat en nombre de 3 points marqués par match. Ils ont aussi un gros point de fixation à l'intérieur. Donc je pense qu'en jouant contre eux, il faut essayer de les repousser au maximum, ne pas les laisser jouer dans leurs espaces et les forcer à jouer justement sur ce qu'ils n'aiment pas, c'est-à-dire empêcher les drive and kicks, c'est-à-dire les gars qui rentrent dans la raquette pour la sortir sur les shooters. C'est comme ça qu'ils marquent beaucoup de points vraiment, et ne pas laisser les intérieurs faire le match qu'ils sont capables de faire. Nous, c'est jouer sur nos forces, voilà. On est une équipe qui en est là où elle est grâce à la mentalité, le fait de jouer comme des chiens entre guillemets, de ne jamais rien lâcher, de se bagarrer et notre jeu rapide, notre attaque qui fait qu'on est amené à marquer beaucoup de points. Je pense que en jouant là-dessus, en se laissant pas sortir de notre zone de confort, je pense qu'on a de grandes chances de le gagner. La réalité, c'est que même quand la salle était vide, on sait qu'on était soutenu. On recevait des messages, voilà, on pouvait en voir quelques-uns des fois. Donc on était soutenu tout au long de la saison. Voilà, maintenant, on a la chance de jouer des matchs comme ça, avec du public. Les fans voilà, vont pouvoir participer à tout ça et nous aider à gagner ces matchs-là. Hey guys, let's go! OLB! Ensemble! Ensemble.